Je suis content d'avoir participé et puis de gagner le petit diplôme. C'est bon, c'est pour les jeunes. Mais à moi, c'est travailler, trouver des. Apprendre des choses aussi. Améliorer les conditions d'accueil des touristes qui seront curieux, désireux de découvrir le cadre formidable de la tribu de Koua, les pétroglyphes dont on vient de découvrir l'existence, en tout cas pour moi, au pied de la tribu, et puis peut-être d'aller voir la source qu'on devine au-dessus de nous dans la montagne à quelques centaines de mètres. Donc ces équipements, ils vont servir à tout le monde, et puis la grande fierté de la tribu, c'est que ça a été construit, ça a été édifié par les enfants de la tribu. J'ai appris beaucoup de choses, surtout sur les chantiers là. On a appris à manipuler des matériels qu'on ne touchait pas avant. On a appris beaucoup de choses. Et puis voilà, ça embellit aussi la commune. Il y avait les intervenants aussi qui nous aidaient. Il y avait un charpentier, un carreleur, puis un plombier. Ça veut que ils nous montraient comment faire. Puis on est content d'avoir fini le chantier aussi, fait ça. C'est pour les vieux. C'est pour les vieux, ils ont besoin de ça aussi. On a eu le plaisir de remettre à 6 jeunes qui ont fini leur chantier les attestations et les cadeaux qui vont avec la fin d'un chantier d'insertion. Donc encore une fois, c'est une belle réussite puisqu'on a une cuisine traditionnelle qui a été livrée avec un bloc sanitaire. Et puis ça nous permet de venir à la rencontre des gens dans les tribus, d'avoir un moment d'échange, un moment de partage autour d'un repas, d'écouter aussi quels sont leurs projets et encore une fois, moi, je suis agréablement surpris parce qu'on est dans une tribu de Koua avec le clan Moindou qui a beaucoup d'idées pour développer la tribu, accueillir des touristes. C'est une nouvelle fois une satisfaction de voir que ces dispositifs, ils fonctionnent, ils aident à la fois les jeunes et puis ils permettent de faire du développement local dans des endroits que la province n'oublie pas.